Après toutes ces préparations, donc je suis très content que le festival aura lieu. Luc Benza is focusing now more than ever on Sino-African exchange in the seventh art. He's a kung fu teacher who regularly stars in Chinese film productions. The Gabonese national has lived in China for 33 years. C'est en regardant le film de Bruce Lee, mais à l'époque c'était Wang Yu. Ce sont les films qu'on regardait les années 70 au Gabon. Ce sont tous qui m'ont motivé en sorte hein, de venir en Chine pour apprendre les arts martiaux chinois. This passion for martial arts made Luke Shaolin Temple's first African disciple at the age of 14. He told the epic journey in his documentary, The African Who Wanted to Fly. Since then, Kung Fu has come to mean something quite different to him. Dès notre jeune âge, à travers les films de Wushu, on apprend ce signe. Voyez ce signe. Hein? Alors, quand on fait ce signe, alors, vous savez, il y a, on dit en chinois, on appelle de zhi mei ren. Alors, ça, c'est la force. Et tous ces critères du Wushu, quand on les mélange, ce signe, on l'appelle quoi? Zhong Guo Wushu. It was only by chance that he found himself in the film industry. He starred in dozens of kung fu movies and TV productions. One of his favorites will always be the TV series The Legend of Bruce Lee. He played Bruce Lee's loyal friend in the United States, Jesse Glover. Beaucoup de personnes ne savent pas, le meilleur ami de Bruce Lee, c'était un noir. C'est lui, l'un des premiers élèves de Bruce Lee, qui a beaucoup aidé Bruce Lee quand Bruce Lee était arrivé aux États-Unis. And as Luke discovered Chinese culture through film, he thinks the same can apply to Africa by promoting his own culture, history and legends. Nous connaissons beaucoup plus la culture chinoise que la Chine connaissent l'Afrique. Donc je pense qu'il est temps à nos autorités africaines de se ressaisir et puis de réfléchir et d'essayer de mettre des moyens aux jeunes cinéastes africains. He decided to host a film festival in the capital to show Chinese audiences the wealth of the African continent. And he invited several African filmmakers so they can have access to opportunities. Je les ai amenés ici d'abord, j'ai tourné pas mal de films ici, et surtout voir quelles sont les possibilités que eux, dans les années futures, s'ils tournent leurs films ici dans les studios ici en Chine, qu'au lieu de prendre le produit et de le développer en Europe, ben, tout se fera dorénavant ici en Chine. Being close to and uniting Chinese and African people through cinema, Luke's message is sprinkled with optimism and perseverance, and it's kung fu, derived from Chinese tradition, that led him to adopt this philosophy. Quand on a des objectifs, quoi qu'il en soit, on peut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on apprend les arts martiaux, c'est pénible, mais en même temps, ça forge l'individu. Physiquement, spirituellement et mentalement, quand vous quittez de là et vous rentrez dans la société, quand vous avez le problème du quotidien, c'est rien ça.